Y est-il une période compliquée pour la princesse Charlène de Monaco? Coincée depuis plusieurs mois en Afrique du Sud à cause d'une grave infection orale qui l'empêche de prendre l'avion pour rejoindre le Rocher, loin des siens et surtout de ses deux enfants, Jacques et Gabriella, Charlène de Monaco doit faire face à une mauvaise nouvelle. L'épouse d'Albert II a annoncé, ce mardi 26 octobre, avoir perdu un être cher. Mon petit ange est mort hier soir, a-t-elle indiqué en commentaire d'une photo où on la voit avec son chien dans les bras. La mort de la petite boule poil chère au cœur de la princesse semble avoir été assez brutale puisque l'ex-nageuse professionnelle, qui est apparue récemment très amaigrie, a précisé qu'elle avait été écrasée. Et de conclure, tu vas tellement me manquer, repose en paix. Quand est-ce que Charlène de Monaco sera-t-elle de retour sur le Rocher? Un nouveau coup dur pour la princesse qui trouve le temps long sans ses enfants, j'ai hâte de rentrer à la maison pour retrouver mes enfants qui me manquent terriblement. Je pense que n'importe quelle maman qui a été séparée de ses enfants pendant des mois ressentirait la même chose que moi, avait-elle expliqué sur Instagram. Après une opération qu'elle avait subie le 8 octobre dernier, une source avait confié à l'AFP, elle va mieux. Ça a aussi été compliqué pour elle car différents problèmes l'ont affectée. Elle est toujours en Afrique du Sud, mais va revenir très prochainement, nous devons faire les points avec les médecins dans quelques jours.